Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première de l'édition 2017-2018 de Sport Express. Salut François. Salut Alex, j'aime ça de voir en HD. C'est le fun, hein? Finalement, avant on était HD sur les réseaux sociaux, mais maintenant HD partout, donc ma TV 609, lorsque vous ouvrez votre télévision. Ouais, bien heureux. On apparaît, oui, bien heureux, ça te fait bien. On voit que tu as des lunettes maintenant. Et toi, on voit que tu as du poil J'ai commencé de la moustache. J'ai commencé le Movember 2019. OK, on est en septembre. Alors, exactement. Ouais, okay. On est l'an prochain. C'est bon. Dans deux ans. Oh, oui, parce que pas le gars le plus barbu au monde. Non. Hey, François, est-ce que tu as passé un bel été? Très bel été, Alex. Écoute, on s'est occupé des enfants beaucoup, hein, deux petits bébés. Quand même, trouver le temps de jouer au golf. J'ai joué un match avec notre collègue André Barrière. Golfeur comme à l'habitude. On va se le dire, François n'a pas travaillé de l'été. Non, congé de paternité beaucoup cet été, quelques semaines, plusieurs semaines. Mais congé de paternité n'égale pas vacances, mon cher. Non, je sais. Il prend son congé. Après, il dit, je retourne travailler. Moi, la semaine d'après, je l'appelle. Il dit, ah non, je suis encore en congé. Oui, je te confirme qu'il me reste une semaine en octobre et deux en novembre. Ah oui, je sais. Écœurez-nous en quatre volumes, Claude. C'est quand même pas pire. Moi, j'ai gagné ma saison de golf. Ben oui, c'est ça. Tu étais supposé apporter le trophée. J'ai oublié ce matin parce que là, un victorien joue au hockey. Mais là, on le voit en photo. Exactement, c'est recommencé. Tu vois mes filles également avec le trophée. Fait que j'ai oublié dans toute la tumulte du matin. Bien content. Et un de nos invités tantôt, Alex Agostino, son fils joue dans la même ligue que moi, avec spécialité MB. Bon, ils n'ont pas gagné naturellement, parce que c'est EBM qui ont gagné. Mais c'est une belle ligue. C'était le fun. Ça s'est terminé avec le party en fin de semaine. C'était bien plaisant. Puis là, bon, on est prêt. Et il y a quelqu'un que tu connais bien qui est en essai avec le Canadien de Montréal. On ouvre une parenthèse, Éric Gilina. Ouais, ça commence demain, là, jeudi, le camp d'entraînement avec les tests physiques. Écoute, Alex, je peux te dire qu'Éric est très prêt. Et plus que prêt, c'est... Je l'ai jamais vu avoir une mentalité comme ça. Là. Il s'en va pas là pour se faire des amis, il s'en va là pour faire l'équipe. Voilà. Ouais. Bien, on devoir, en tout cas. Oui, moi aussi. Bien, il y a plein de choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas le droit de dire. Vraiment. Mais c'est pas grave. Hey, François, on s'est gâté pour la première de Sport Express. Oui. Surtout toi, hein, en tant que grand amateur de balle. Exactement. Et l'entrevue a déjà été réalisée. Là, nous, on fait toujours nos on-cam, comme on appelle, après. Et on n'aurait pu pas être là, François, et ça n'aurait absolument rien changé. Les deux se relançaient, mais c'est deux personnages qui se connaissent depuis fort longtemps. Oui, puis on aurait pu faire un show de une heure également, Alexandre. Ouais. Tu l'as mentionné tantôt. Ils vont revenir cet hiver. Alex Agostino, qui est un des dépisteurs des Phillies. C'est le superviseur pour le Nord-Est, et vous allez voir, un bon poste. Tout un travail. Et à tout seigneur, tout honneur, nul autre que notre ami Claude Raymond qui est avec nous. Les deux gars se connaissent bien, il y a des bonnes anecdotes. Je pense que les gens vont apprécier l'entrevue. Exactement. Donc, on s'arrête 5 secondes parce qu'on a pas mal de contenu. Ouais. Et au retour, l'entrevue qu'on a réalisée avec Claude Raymond et Alex Agostino. Et François, en cette première de Sport Express, saison 2017-2018, moi, j'ai décidé de me gâter. On va parler baseball parce que d'abord, la course au championnat a lieu présentement. Ouais. Ça en vient bientôt. Et deux personnalités très connues du monde du baseball au Québec. Très influentes également. Exactement. Claude Raymond, un habitué de Sport Express. Salut Claude. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et écoute, c'est la première fois qu'on le reçoit. J'espère que ce n'est pas la dernière non plus. tu me disais tantôt, dépisteur nord-est, superviseur nord-est du Canada pour les Phillies de Philadelphie. Des États-Unis. Des États-Unis. Alex Agostino qui est avec nous. Salut Alex. Salut Alex. D'abord Alex, tout seigneur, tout honneur, je veux que tu nous parles un peu de toi parce qu'on se connaît un peu, tu as joué au baseball, mais on arrive comment dépisteur dans le baseball majeur? Tu n'arrives pas comme ça. Tu as joué au baseball junior élite, puis après ça, c'est parti. Disons que quand tu joues 15, 16, 17, 18 ans, puis tu joues dans du bon baseball, tu ne rêves pas de devenir dépisteur. Tu rêves de devenir le prochain Claude Raymond, tu rêves de gagner une série mondiale pour les Expos. Mais à la fin de mes études universitaires en éducation physique, j'ai joué à balle, j'ai coaché les Ducs de Longueuil, j'ai resté aux alentours du baseball, même si je travaillais au 4 glaces à Brossard, puis je me dirigeais vers une carrière dans l'hockey. C'est ça, je m'en allais, je coachais. Mais j'ai été très chanceux en coachant les Ducs de Longueuil. Baseball Québec m'a engagé comme directeur technique de 91 à 95 et mes premières armes, c'était avec Claude Raymond. On a fait la tournée Petro-Canada au jeu à travers les Maritimes et le Québec. 38 écoles de baseball de 3 heures en 45 jours. Wow, okay. J'ai appris plus dans ces 3 mois-là en conduisant une vanne que Claude était à côté de moi puis parler de sa carrière. Puis depuis ce temps-là, Claude n'a pas été capable de se débarrasser de moi. Mais à cause de Claude, à cause de mes années-là, il a parlé à des gens comme Bill Stoneman, je pense, et Kevin Malone. Un moment donné, dans mon travail à Baseball Québec, j'allais au camp d'instruction des Expos parce que je lançais un bon BP. Puis j'allais apprendre dans les camps d'instruction, les camps d'entraînement. J'étais comme un entraîneur invité.
Puis moi, je fermais ma trappe, j'allais là, j'entraînais, j'écoutais, je rappelle Fargo. Puis ben, je créais une relation avec les expos. Et quand est venu le temps, après la grève de 94, à engager quelqu'un, ouais. parce que René Marchand, qui était là, qui m'avait beaucoup aidé, avait quitté. Ben, je pense que Claude, je sais que Claude avait parlé en bien de moi. Puis j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Kevin Malone et il m'a engagé en 95. Depuis ce temps-là, ben, je roule ma bosse là-dedans. On va pouvoir lui demander à Claude, est-ce que tu avais parlé en bien d'Alex? J'ai parlé en bien, mais dès qu'on a commencé à faire nos cliniques de baseball dans les Maritimes, je me suis aperçu que c'était un travaillant, puis il savait de quoi il parlait. Puis c'est un professeur, les jeunes, ils comprenaient exactement ce que lui voulait dire. Il s'exprimait très, très bien en français, très, très bien en anglais. Moi, je dis encore que... Aujourd'hui, c'est notre meilleur analyste qu'on a, puis c'est parce qu'il a appris sur le tas, il a appris à regarder, à poser des questions, les bonnes questions, puis jamais il a fait, c'est ça, là. Il apprenait régulièrement, puis chapeau, parce que c'est pas facile de faire ce qu'il fait là, puis c'est pas avec les expos, puis c'est pas avec Toronto, ouais. c'est Phillies de Philadelphie, là. Exact. Mais ça prend des gens qui t'ouvrent les portes. Puis moi, j'ai été chanceux parce que Claude Raymond, je le connaissais de nom. Mais c'est mon père qui était élevé à Villeray, qui me parlait de Claude Raymond quand j'avais 14-15 ans, qui l'aimait comme joueur, puis ces choses-là. Puis d'avoir l'opportunité de travailler avec, que ce soit des camps, juste de parler de baseball, prendre une bière, un verre de vin, c'est quelque chose de grand parce que j'ai pas joué professionnel. J'aurais tout donné pour jouer. Mais dans le dépistage, tu apprends tous les jours. J'ai 52 ans, puis à toutes les parties que je vais, j'apprends de quelqu'un. Toutes les games que je vais voir, il y a d'autres dépisteurs qui sont là. Ou d'un événement, si j'étais avec Claude Raymond, si j'étais avec d'autres personnes qui ont joué au baseball, tu essaies d'apprendre qu'est-ce qui a fait que tu as fait ça. Pour que quand tu vois un autre joueur, ça me donne l'idée de regarder ce joueur-là dans les yeux et savoir, ce gars-là, vas-tu réussir? Parce que le talent se passait. Puis après ça, quand la porte est ouverte, il faut que tu fonces. Parce que c'est un monde d'Américains. Là. Exactement. Ouais, fait que je parle anglais, ça m'aide beaucoup. Là. Ouais. Mais il ne faut pas que tu rentres là comme moi, je sais tout puis tassez-vous de là. Non. Moi, c'est la même chose parce que je regarde beaucoup de baseball le soir. Là. J'apprends, à tous les jours, j'apprends quelque chose. Je me fais un devoir d'apprendre quelque chose ou d'essayer de fouiller pourquoi ça arrive. Puis comme dépisteur, c'est exactement ça parce que les dépisteurs, disons, quand moi j'ai commencé à jouer, ils allaient dans la jungle puis dans les lacs. Comme Larry Parrish a été signé sur un lac en Floride par Eddie Lopat, il était à la pêche avec, puis il l'a fait signer parce que le barbier d'Eddie Lopat, il avait dit, j'ai un jeune là, qui frappe la balle un mille de loin, tu devrais aller à la pêche avec lui parce que c'est un bon pêcheur. Wow. Puis lui, le jeune Parrish, Eddie Lopat, qui a joué pour les Yankees de New York, c'est un dépisteur, puis il veut le voir, il est allé à la pêche avec, il signe le contrat. Aujourd'hui, c'est plus de même. Mais tu sais quoi, j'aime l'histoire, Claude, parce que, voilà un mois, j'ai signé un kit dans le Bronx. C'est presque plus de même, mais j'étais dans une situation où un de mes patrons m'a demandé d'aller voir un joueur par générosité. Va le voir, puis il s'en va au collège, un lanceur de Saint-Pios. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de l'air. Je suis allé le voir, mais dans l'autre équipe, il y avait un Dominicain de CC7 qui arrivait de la République, qui n'était pas éligible pour jouer à l'école secondaire dans le Bronx, à l'école George Washington, où Dylan Betances, Manny Ramirez ont joué. Ouais. Tu vas là, tu es barbelé de terrain, puis tu te fais escorter par la police pour y aller. Il n'y a pas grand monde qui y va. Donc, j'étais là à cette game-là, pour voir l'autre gars. Je vois ce joueur-là. Aujourd'hui, il fait partie des Phillies. Je l'ai signé. Wow. Trois jours plus tard. Parce qu'au lieu de retourner à la maison, j'avais la fête de ma belle-mère, 85 ans. Je n'ai pas gagné de points à la maison. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr, ça a été plate. J'ai une bonne femme. J'ai fait un workout avec ce jeune-là. Il a joué un double. J'ai appelé mon boss. J'ai signé un kit. Ça coûte pas trop cher. Il dit qu'est-ce qu'il y a de l'air. Fait de vidéo. J'ai envoyé. On l'a signé. Dans le cours des Yankees et des Mets. Ça, c'est un peu le thrill d'être un dépisteur. Parce que le reste, je fais le premier round, deuxième round. Tu sais, tout le monde les connaît. Comme tu dis, il y a des showcases. Les dépisteurs vont au game. Tout le monde est à la même place. OK, lui, on l'aime. Lui, deuxième round. Le draft arrive. Le scout, il est comme. Tu t'assois puis t'attends. Là. C'est ton travail que tu as fait. Est-ce que c'est vrai, la légende urbaine, messieurs, que. Vladimir a été découvert à cause de Wilton, que les expos avaient été pour Wilton. Et finalement, Vladimir est arrivé, il a impressionné, les expos l'ont signé. Moi, c'est ce que j'avais entendu parler. Moi, ce que je sais, parce que j'ai bien connu Fred Ferreira qui l'a signé, c'est que Wilton, il était avec les Dodgers. Mm-hmm. Vladimir était au camp des Dodgers, parce qu'ils ont des académies là-bas, mais pas signées. Ouais. Les Dodgers, tu sais que t'es grand, maigre, pas fort, ils ont dit, on n'a pas de place pour toi présentement. C'est Manny Mota qui menait ça là-bas. Il dit, on n'a pas de place pour toi. L'instant, les équipes ont des nouvelles académies, tout le monde a 50-60 joueurs. Dans ce temps, c'était 20-25.
Puis je pense qu'il est allé faire un camp au Texas avec les Rangers. Ils ont dit, ben, pas tout de suite. Il y avait deux souliers différents de couleur. Il est arrivé au camp des Expos. C'est ça ce que Fred Ferreira m'a dit. Ouais. Il est arrivé là tout croche en mobilette. Quelqu'un, il a débarqué. Il a couru 60 verges. Puis il a eu, wow, tout un temps. Mais il s'est fait mal à la cuisse. Ça, il n'a pas pu frapper, pas pu lancer. Puis Ferreira l'a signé pour, si je ne me trompe pas, c'était 1500 ou 3000 $. Wow, wow. The rest is history, comme oui. Oui, monsieur. Alex, parle-nous un petit peu de ton travail. En quoi ça consiste? Un travail qui est 365 jours par année. Tu es dans les stades, tu vas visiter les familles. Conte-nous un petit peu à écoute, quoi ça peut ressembler. C'est long, je vais essayer de faire ça vite, ouais. Les gars, parce que c'est 363 jours par année à cette heure, ouais. Tu es tout le temps sur le téléphone. Je suis un dépisteur amateur. J'ai la Nouvelle-Angleterre, New York, puis l'Est du Canada à couvrir. Je dois préparer le draft de 2018. On s'en va vers là. Ouais. Ma job, c'est de faire une liste de suivi sur des joueurs qui vont être éligibles au draft de l'an prochain. Master, ils veulent qu'on travaille. Si je vois un gars qui est éligible en 2019, les rapports sont faits. Sur moi, c'est de continuer. Quand la saison collégiale NCAA débute le 15 février, je suis en Floride, je suis mes équipes. St. John's University, Boston College, UConn. Les bonnes équipes qui ont des prospects. Si UConn, qui est l'équipe dans mon territoire qui a le plus de gars dans les majeurs, ont personne, je n'irai pas y voir. Okay. J'ai pas de temps à perdre. J'ai trois gars qui travaillent pour moi. Les gars à retraite qui vivent là, ils vont aller voir ça. Moi, je dois faire une liste de joueurs, la préparer, puis donner à mes patrons des rapports très élogieux ou éloquents pour qu'ils viennent les voir. Si c'est des rapports moyens, ils ne viennent pas, pas de chance de les avoir dans le draft. Okay. Et tu as des assignations l'été, des showcases, des pro-scouting. Tu es tout le temps en train d'écrire des rapports, tu es tout le temps sur la route. Mais si tu aimes le baseball, il y a beaucoup de monde qui veulent faire ce que je fais. J'aimerais ça qu'ils viennent une semaine avec moi, peut-être qu'ils auront moins le goût. Ouais, parce qu'il n'y a pas de glamour comme les gens pensent. Ouais. Je ne suis pas un scout du baseball majeur dans un stade de tous les soirs. Tu sais, tu as des assignations des fois. Je vais à Cape Cod, je vais à New York, j'ai un beau territoire. Sauf que c'est 150 à 175 jours, tu ne couches pas chez vous. Non. À cause d'où et je demeure. Seul, et seul. Et seul. Ouais. C'était le fun quand tu avais 25-30 ans. Une couple de ma femme elle vient de temps en temps quand c'est des beaux voyages. Mais c'est pas le glamour. Il faut que tu sois discipliné. Parce que si tu arrives à l'hôtel, tu essaies de ne pas faire tes 4-5 rapports. T'es dans la merde. Mais ça fait 23 ans que je fais ça. Je suis chanceux parce que c'est une game qui change. Les pisteurs deviennent de plus en plus jeunes. C'est pas évident parce que la game, elle change beaucoup. Est-ce que... Bon, les Expos sont partis depuis 2004. On le sait, Claude. Tu l'as vu grandir également. Ça va être une fierté pour toi de voir qu'un Québécois réussit avec les Phillies de Philadelphie. Tu sais, dans le fond, il y a une entrée directe avec le directeur général. Il y a un joueur qui est dans les majeures présentement, Jason Therrien. Ça doit être le fun à voir. De plus en plus de Québécois dans le baseball, mais le fait qu'il y ait un dépisteur qui est là, qui a son mot à dire... Bien, moi, c'est comme mon idole des dépisteurs, là, parce que, wow. Tu sais, c'est comme les jeunes qu'on aide, nous autres, dans notre fondation. Ouais. On les suit, puis on est fiers de voir qu'ils réussissent. Alex, il réussit parce qu'il travaille très fort, puis il connaît son affaire. Et moi, je suis très, très content de voir que ce gars-là, il perce dans le baseball majeur. Puis Philadelphie, ça existe depuis 150 ans, là, les Phillies. Ils ont changé de nom à quelques occasions, mais lui, là, il est avec une des meilleures organisations. Il ne gagne pas, là. Ils vont revenir, ils vont se mettre à gagner, mais c'est très important, son travail. Puis je pense que ça donne espoir à d'autres jeunes dans la province de Québec de dire, si Alex Agostino l'a fait, moi aussi, je suis capable de le faire. Alors, moi, chapeau, Alex. Tu vas aller en pub, Claude, mais une seconde. Okay? J'ai pas le choix. Je le sais, j'ai pas le choix. Je pose la question inverse maintenant. Si Alex Agostino peut le faire, tout le monde peut le faire. Claude Raymond a joué dans le baseball majeur dans un temps où c'était peut-être impensable de penser qu'un Québécois... Mm-hmm. C'est gros ce qu'il a fait. Tu le vis aujourd'hui, toi, tu repêches, mais il n'y avait pas... Vous n'étiez pas 12 à vérifier partout. Non, 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 non. Écoute, ce que Claude a réussi dans les années 50, 60, c'est phénoménal, mais en connaissant l'individu, les chances que j'ai eues, je ne suis pas surpris. Parce que ce désir de vaincre, ce désir d'être meilleur, de ne pas se laisser... enfiroapé par les Américains ou d'autres personnes. C'est ce qui nous manque des fois dans nos jeunes qui ont du talent comme Claude, là, mais sont peut-être un peu plus gâtés dans la vie de tous les jours. Puis quand ça devient difficile, ils vont abandonner. Parce que c'est pas facile d'aller jouer aux États-Unis. Tu n'es plus chez vous, là, que maman te fait à manger, puis que ton lit est fait, puis ta mère amène ton Gatorade. Il faut que tu y ailles de toi-même. Puis c'est encore plus difficile dans les années à Claude. Puis quand tu regardes les statistiques, sont wow, là, sont incroyables parce qu'un sauvetage, c'était pas un retrait, là, c'était trois manches. Ouais. Puis ce qu'il a fait, tu dis, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais ce qui m'impressionne encore plus de Claude, c'est ce qu'il a fait après sa carrière. Ouais. La fondation, aider les gens comme moi, puis de toujours être là. Puis sa passion pour le sport, puis les gens du Québec, moi, il n'y a rien qui peut battre ça.
je me sens privilégié de le connaître. Puis c'est quand il parlait d'idole, pour moi, c'est mon idole. Nous aussi. Ça, nous aussi, ça. On va s'arrêter parce qu'on va en parler. Parce que vous êtes là pour les jeunes, c'est pas évident. T'en as dit ça un mot, là, aller dans le baseball. Quand tu arrives dans le baseball majeur, si les gens savaient les étapes qu'ils ont montées avant d'arriver là, c'est pas une année junior majeure, Ligue américaine, tu arrives dans le baseball majeur, c'est pas le même, ça marche. On s'arrête et au retour, on poursuit notre entrevue avec Claude Raymond et Alex Agostino. Nous sommes de retour à Sport Express. Et avant la pause, messieurs, on en parlait comme quoi, oui, il y a des Chris Bryant qui font des 30 millions, qui va signer pour 30 millions par année probablement. Puis on se dit, parce que même moi, je t'ai passé le commentaire, je trouvais ça plate il y a deux ans, il avait retourné dans les mineurs pour essayer de sauver de l'argent et tout ça. Mais on enlève lui qui va bien gagner sa vie. C'est quoi le... Tu sais, t'as joué 10 ans à peu près dans le baseball majeur, t'as joué combien de temps à peu près? 12 ans. 12 ans dans le baseball majeur. C'est quoi la moyenne à peu près de qu'on va jouer de longévité dans le baseball majeur? 5-6 ans, c'est le gros max. Ah, ouais. Mais le baseball, c'est que, comparé au hockey, tu es repêché, tu vas dans les américaines, jouer avec nationale, ou tu t'en vas dans le senior. Ouais. Ou la East Coast, une coupe d'année où tu t'en vas en Europe. Le baseball, tu peux être repêché de l'école secondaire à 18 ans, tu peux être repêché au collège à l'âge de 21 ans, mais tu peux être repêché à 22 ou 23. Il y a plein de règlements parce qu'on a 6 équipes. 3, 2A, 2 équipes A, 2 équipes recrues, plus nos 2 équipes en République dominicaine où on signe peut-être 40-50 gars par année là-bas, qui essaient de monter vers les 25 des majeurs. Tu as probablement 200 gars sous contrat. Le Canadien doit en avoir 25-30 sous contrat à Laval et peut-être dans East Coast. Alors nous, on signe un gars, son premier salaire, c'est 1 100 $. Que tu as signé en première ronde par mois. Okay. C'est peut-être 5 mois. 5 mois. Si tu as joué, si tu es première ronde ou 40e ronde, tu as le même salaire. La différence. Grosse différence, c'est le bonus de signature. Okay. Là, c'est un slot system. Comme Aumont avait eu, je pense, 2 millions avec les Mariners. 1,9 million avec les Mariners, c'est ça. Alors, c'est sûr que même s'il y a eu 1,9 million, je pense qu'il aurait aimé mieux jouer 10 ans dans le baseball majeur. Mais ça montre juste comment que c'est difficile. Parce que ça va de 1100 à peut-être 2500 par mois jusqu'au 3 quand tu es sous contrat avec une équipe. Si tu te rends 6 ans dans le mineur, un peu comme Justin Therrien, c'était sa 6e année, s'il n'avait pas joué dans le majeur cette année, à la fin de cette saison, il devenait agent libre. Pour, il aurait pu aller avec n'importe quelle équipe qu'il voulait, ou les Phillies auraient mis sur leur liste des 40 à la fin de l'année pour garder son appartenance. Et là, ton salaire monte. Là, tu peux négocier ton salaire 8 000, 10 000, 15 000 par mois. Si tu as joué 4-5 ans dans les majeurs, si on se rappelle du nom des expos, Razor Shines, en tant qu'il a joué à Indianapolis longtemps, il gagnait beaucoup d'argent dans le 3, 10, 15 000 par mois parce que c'était une vedette à Indianapolis. Il amenait du monde dans les estrades, puis il avait ce calibre-là. Il est devenu gérant par la suite, puis il a fait des choses. Mais les gars aujourd'hui, au moins dans le 3, peuvent gagner de 5 à 15 à 20 000 par mois. Okay. Mais tu peux avoir un contrat d'un majeur one way, puis tu s'en vas dans le mineur, puis tu fais l'argent. Une fois que, mais il faut que tu te rendes dans ces 6 ans-là. Si tu ne te rends pas, tu ne fais pas d'argent. Mais si tu es en deuxième, première, deuxième, troisième ronde, tu as signé pour 2 millions, tu survis pendant 4-5 ans assez facilement. Mais c'est le gars qui signe pour 1 000 puis rien, qui est en 22e ronde, qui a gradué de l'université Notre Dame ou Boston College, il s'en va dans les mineurs, il a un diplôme, il regarde l'autre qui a signé pour 4 millions. Il frappe 220, moi je frappe 300 parce que j'ai 22 ans, je suis un vétéran, je m'en viens là, maintenant je gagne 1000 par mois, mais je peux gagner 100 000 à la banque. Qu'est-ce que je fais? Exact. Tu as l'amour de ce baseball-là. C'est pour ça que quand tu arrives en haut, tu as tout. C'est les sacrifices. Philippe Allou l'avait dit à Mark Gozalanek, puis qui chialait parce qu'il voulait faire une grève, puis il joue dans les majeurs, ta vie va être correcte. Tu sais, chiale pas dans les mineurs, c'est ça dans les mineurs. Vous le savez, l'association des joueurs n'aide pas les gars dans les mineurs. C'est comme ça. Non. Okay. Parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un gars des Dodgers cette année qui avait été rappelé, c'est un receveur. En tout cas, il a frappé les premières apparitions au bâton, frappé un double pour la victoire. J'oublie son nom. Barnes. Exactement. J'aime ça. Je me disais dans ma tête, Claude n'a pas Facebook, il n'a pas vu passer, mais premier qu'il a nommé. Il était arrivé avec sa Hyundai accent rouge dans le parking en arrière avec les Porsche. Et les gars étaient contents de le voir parce qu'ils savaient les sacrifices qu'il avait fait. Puis avec la forêt, quand il est arrivé dans les majeurs, tu voyais les gars, les Tigers, ils étaient tout contents, des accolades parce qu'ils savent à quel point. Ben, je l'ai signé Pierre-Luc Laforêt avec les expos, puis il a duré un mois, puis les expos ont laissé aller Pierre-Luc avec son dos. C'était ma première signature à vie. J'ai presque lâché parce que les expos n'ont pas gardé. Oh, il a mal au dos. 5 000 $ de bonnie qu'on lui a donné. 17 ans, petit gars de Gatineau, québécois. Ça m'avait dit que c'était un job à cette heure et non l'amour. Parce que moi, les expos, là, je saignais Expo Blue, là, puis je voulais être
Je voulais continuer avec les expos, mais ça m'a vraiment fait mal. Parce que Pierre-Luc, 5 000 $ m'appelle en pleurant. Tu dis, c'est quoi la game? C'est une business, là. Mais quand ils se rendent en haut, ces gars-là, là, les gars le savent, les sacrifices qu'ils ont fait. Mais pour avoir joué, tu vas pas avoir joué avec Hank Aaron. Je disais tantôt, là, dehors, écoute, t'es au monticule, ton voiture a le droit de Hank Aaron. C'est assez extraordinaire, pareil, là. Lui, il trouve ça bien normal. Quand tu voyais arriver un jeune chez les expos qui se plaignait à la cour d'année, est-ce que des fois, tu pouvais te permettre d'aller dire, regarde, je n'ai pas, tu voulais dire, je marchais pour aller à l'école, là, comme nos parents disaient, là, mais en voulant dire, grand. Hey, le grand, t'es bien, là. Non, mais il y a toujours quelqu'un qui te ramenait sur terre parce que, tu sais, t'as des Eddie Mathews, t'as des Joe Adcock, t'as des Dale Crandall, t'avais Hank Aaron, Warren Spahn, Lou Burdett. Ces gars-là, ils disaient, hey, un instant, toi, là. Il y avait Danny LeMaster, un lanceur gaucher. À un moment donné, il y a eu une balle qui a été frappée. Il lançait un match sans point de coup sûr. La balle a été frappée vers Eddie Mathews. Mathews, il plonge, il se relève, il lance au premier. Il donne un coup sûr. Il appelle la galerie de presse. Puis là, il y a quelqu'un qui a aidé. Le master, il vient d'appeler à la galerie de presse parce qu'il veut que ça soit une erreur. Là. Ah. Et tabarnouche, il l'a replacé. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des jeunes qu'il faut que tu leur dises là, tranquillement, mais c'est de même que ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas que tu te montres trop hautain en arrivant. Là. C'est le baseball a le don de te ramener sur terre rapidement. Oui. Tu as 4 en 4 aujourd'hui, fais-toi sans pas, le 0 en 8 s'en vient. Okay. Tu es 0 en 12, mais je disais à un jeune qui est dans le système des filiales, des Ben Pelletier de Varennes, tu sais, c'est 1 en 12, fais-toi sans pas, tu as des bons contacts. Tu essaies de continuer à les supporter parce que les kids sont là tout seuls, spécialement les Québécois. Il n'y en a pas 50 dans les mineurs. Tu t'en vas dans un réseau de comme les Phillies ou les Dodgers, tu s'en vas à Gulf Coast League. 80% là, c'est des Latins, là. 20% Nord-Américains, puis toi, t'es le 1% Québécois qui parle pas beaucoup anglais. T'es tout seul dans ton coin, 0 en 4. Les autres sont ensemble, ils se parlent espagnol, ils ont joué ensemble quand ils étaient jeunes. C'est tellement difficile, c'est tellement un sport dur d'avoir du succès, puis des fois, t'as pas le contrôle. Tu frappes 330, puis le gars qui frappe 220, il monte de niveau. Il a un meilleur bonnet à signature, on veut lui donner une chance, on voit en lui plus de futur. Toi, il faut que tu es toujours constamment en train de te faire taper sur la tête que tu es passé bon pour l'autre niveau, puis il faut pas que tu lâches. Puis ça, c'est dur. Faut pas lâcher. Alex, il reste 2 minutes. Rapidement, là on a vu Jason Terrien cette année. Est-ce qu'on a d'autres Québécois qui cognent à la porte bientôt, là, des majeurs? Bien, avec les Phillies, on a Ben Pelletier qui a frappé 3-33 cette année, mais il vient d'avoir 19 ans. Oublions-le pour les 4 prochaines années, mais il se met en position de monter. Okay. Là, tu as des gars, mais ils s'en vont au collège. Édouard Julien, qu'on a drafté de Québec, les Phillies, il s'en va à l'Université Auburn. Quand même pas pire, tu pars de Québec, tu s'en vas à Auburn. Abraham Taureau, drafté ancien Cameroun cette année par les Astros, 16 circuits dans le niveau A. Très bonne carrière. J'ai toujours aimé ce gars-là dans le temps que j'étais à Baseball Québec, puis je travaillais à temps partiel avec les Phillies. C'est les noms qui me viennent à l'idée, mais Abraham Taureau peut être un kid qui s'en vient. Là. C'est avec Philippe Aumont qui est maintenant à Ottawa. Ouais. C'est des gars qu'on a oubliés. Maxime Saint-Pierre, qui a joué dans le majeur, qui a pris sa retraite. Là, on regarde ça, Joe Marlow qui a pris sa retraite. On a une bonne petite batch de jeunes qui s'en viennent. Il y en avait 4 qui étaient sur l'équipe nationale qui viennent de terminer 4e à Thunder Bay. Archer Brookman, un receveur qui s'en va à Seminole, Oklahoma. Même école qu'Éric Gagné, Carl Gina, toute cette gang-là. Édouard Julien, Marc-Antoine Lebreu. Et le lanceur William Sierra qui s'en va aux États. Il y a des kids, mais ça prend du temps. C'est pas à 18 ans qu'ils s'en vont dans les majeurs. Tu peux être repêché à 21-22. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner, d'inculquer aux parents. Relaxer, c'est pas le hockey. Moi, il y a une affaire que je rêve, là. La classique Claude Raymond, les jeunes de 14-15 ans qui sont passés ici, ça fait 3 ans. La journée qu'il va en avoir un qui va être repêché, on ouvre le champagne, ça c'est sûr. J'espère que c'est moi qui le repère. Ben, j'espère aussi. Oui, hein, c'est ça, un bon travail d'équipe. Là. Et je termine là-dessus. Je sais que c'est terminé, mais je prendrai sur mon intro à la fin. Là, ça... Si Jason Terrien, ça va pas bien, peut appeler un Alex Agostino, on parle dans la même langue. À ce temps, il y a des psychologues sportifs. Ouais. Si Claude Raymond avait 2-3 mauvais matchs en ligne, il appelait qui? Il s'appelait lui-même. C'était seul. Quand c'était sur la route, on avait un compagnon de chambre, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais moi, j'ai été célibataire longtemps dans le baseball. Alors, je retournais chez nous, puis je regardais les murs, puis on sortait avec les gars. Autre temps, autre merci. Oui, c'est. Merci beaucoup, messieurs. Ça a passé. Hein, ça a passé trop vite. Ça va être extraordinaire comme émission. Je pense que c'est une belle façon de lancer. On va faire un jeu de mots. Oui. La saison 2017-2018. Ah, HD. Voilà. J'aimerais ça, mais c'est pas nous autres qui décident. Claude, merci. Merci. Merci, Alex. Merci, gars. Merci, Alex. Merci. Plaisir.
qui est plaisant d'être en septembre, en fait, c'est qu'on reprend l'animation de Sport Express. Ouais. Ce qui est décevant, c'est que l'été est terminé, si été il y a eu, première ouais. chose. Et c'est de se rendre compte que le NASCAR existe toujours. Donc, à la fin, on n'aura pas le choix d'en parler. Oui, je vois ta feuille. Là. Exact. J'avais complètement oublié l'existence de ce sport, si on peut appeler ça un sport. Mais en attendant, des gens qui nous représentent bien dans la région et un peu partout au Québec avec le baseball, parlons un peu des Pirates. Oui, c'est la demi-finale Saint-Jean ouais. contre Actonville, Alex. Il y avait un match mardi, donc on ne peut pas dire le résultat. Prochain match, par exemple, à Saint-Jean, c'était 1-1. Avant de tourner l'émission. Prochain match, ce jeudi à 20h au stade Richard Lafontaine. Allez les encourager, il y avait beaucoup de monde lors du ouais, dernier match. C'est vrai, exactement. Ouais. Parlons un peu de football scolaire. Oui, défaite des Titans de William Julien, malheureusement, Alexandre. 29-6 à Saint-Lambert. Match d'ouverture locale des Titans sera présenté ce samedi à 13h au stade Alphonse Desjardins contre les Grenadiers de Louis-Philippe Paré. Parenthèse, William Julien, quand il n'y a pas sa casquette et ses lunettes de soleil sur la tête, bien, ça hein? y fait bien. Ça y fait bien, définitivement. Ouais. Et ses maudites lunettes fumées, ils amènent ouais. partout. On va parler de NASCAR, là. Tu veux parler de NASCAR, tu sais? Parfait. Mais les Forts, par exemple, sont 1-1 dans la Ligue d'hockey junior 3 du Québec. On va les recevoir. Il y a une prolongation, en plus. Exactement, match d'ouverture. Donc, ça s'appelle la série Monster Energy de NASCAR. Ça n'a pas changé, j'avais oublié le nom. Alors, dimanche dernier, était présenté le Federated Auto Parts 400 sur le circuit Richmond Raceway en Virginie. Il s'agissait de la dernière course de la saison régulière. C'est déjà terminé? Mais il reste la chase. Malheureusement. Donc, Kyle Larson a pris les devants lors de la dernière relance de l'épreuve pour remporter une quatrième victoire cette saison. Il y en avait trois que je n'étais pas au courant. Il reste en seconde, il va falloir que exactement. Donc, Joey Logano a terminé dans le top 2. Ryan Newman est là. Donc, les pilotes, les classements. 1, Martin Truex Jr. 2, Kyle Larson. Kyle Busch, Brad Keselowski et Jimmy Johnson. Prochaine course dimanche le 17 septembre à 15h à Chicago. C'est rendu tous des noms connus, là, Alex. Voilà. Et je termine là-dessus parce que nous, quand on enregistre, c'est le 11 septembre. Oui. C'est l'anniversaire de mon papa. Il a 75 ans. Bonne fête, Bonne fête, papa, Alex. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.